running through the city. City on my back, back then ain't nothing changed, but the money on my lap, lap till I'm in the gang, gang time. Hey, Pharrell, what up, man? What up, man? Hey, I really dig your stuff, man. Much love and respect. Likewise, you really been tearing it up lately, making a name for yourself. Caught my attention for sure. Consider me a fan. Oh, thanks, man. But you know, I just gotta keep working for real. That's it. Work and work and work some more. Do it long enough, you can make anything happen. Yeah, that's right, man. Well, I really appreciate you coming to the game, man. You know, maybe we'll catch up. Hey, you ever need anything, let me know. Say the word, man. Appreciate you. Et yo les gens, ici Strax, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo sur NBA 2K15, donc sur le mode ma carrière avec les Houston Rockets, et on va tout simplement se retrouver face à cette équipe des Phoenix Suns. Pourquoi n'es-tu pas parti en fadeaway? J'ai pas capté en fait le comment du pourquoi, le pourquoi du comment. Et boum! Ouh, il restait peu de temps là et on sort notre premier dunk d'ailleurs. Voilà, bienvenue dans mes highlights. Voilà, ça commence à être les meilleurs moments tout ça. Allez, mouah! Ce n'est pas grave du tout. Ouh, get back! Voilà mon gars, tu restes sur place. T'as voulu faire quoi là? T'as voulu dunker? T'as voulu dunker? D'accord, je vais te montrer comment on fait. Je vais te montrer comment on dunk. Ah, ok, non. Il a préféré terminer en layup, mon joueur, ok. Bon, le plus important, c'est que ça rentre, voilà. Ça, à chaque fois, je ne comprendrai pas. Ok. Et boum! L'alley-oop pour Mr. Dwight Howard. Et en plus, on a le petit ralenti, là. Et hop, là. Ouh, il monte à deux mains. Non, non, non. Yes, voilà, on l'a assez gêné et on récupère le rebond. James Harden, il est tout seul. James Harden, oula. James Harden et qui monte au dunk à deux mains. Mais oui, monsieur Harden, mais oui. Oui, 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 continuez comme ça, monsieur Harden. Le mec, il est déjà à 8 points au minimum. En tout cas, c'est nous qui allons... Ah non, quoique... Non, je voulais...
Allez, Trevor Ariza for free. Bang! Trevor Ariza, il est là aussi. Il est là. Je voulais la faire dès le départ à Trevor Ariza. J'ai eu de la chance que ça passe, ça. Enfin, et d'ailleurs, que justement, il tire avant le temps imparti. La fatigue va commencer à se ressentir. Bah ouais. Ça commence petit à petit. Donc attends, voilà, on l'a fait comme ça. Comme ça, je vais directement... Ouh, non, 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 il m'a bien vu, yes. Voilà, monter à deux mains comme ça. Parfait, merci. Merci pour la passe, là. Là, c'était excellent. Donc, j'étais parti pour aller en poste bas pour justement que... Enfin, je pensais qu'il allait la décaler, en fait. Je pensais vraiment qu'il allait la décaler. Et du coup, à la mi-temps, on est à plus 8. Donc, ok, c'est Dragic qui se fait interviewer par Doris. Et du coup, bah, voilà... On va devoir rester voilà, dans cette dynamique-là si on veut remporter ce match. C'était pour Dwight Howard là-bas. Allez, boum! James Harden. My name is James Harden. You know it. Allez, viens. Viens cette fois-ci. Là, faut que ça soit excellent. Allez, Terrence. Bien joué. Voilà. Rien de compliqué. On joue facile, mon gars. On joue facile. La facilité, c'est ce qu'on prime. Enfin, c'est ce qui prime, plutôt. C'est ce qui prime la réussite. C'est mieux de le dire comme ça, bah ouais. Après, si tu parles pas français... Get back. Look at back. Non! Putain, pourquoi il me l'a pas sorti direct? Ça, je comprends pas. Allez, tiens! Boum! Dwight Howard for the lob. Bienvenue chez les Rockets. Ah là là, c'est tellement simple avec Howard, c'est tellement simple. Là, yes, voilà. Ah, la contre-attaque, les gars, les contre-attaques. Allez, Dwight Howard. Voilà, Dwight Howard. Boum! Ah, je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'apprécie ça, ça fait le troisième. Le troisième aller-oop pour Monsieur Howard, voilà. Ça, ça fait des points encore faciles. Ça fait des points faciles et comme ça, bah, il me restera plus qu'une passe d'ess et je ferai mon double-double déjà. Et après, deux rebonds et j'ai mon triple-double, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et après, je me concentre sur le scoring. Non, Alex Len, c'est pas une menace à 3 points. Ça, on l'avait déjà dit. Ouh, yes, je style la balle, je style le ballon. Attends, 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 voilà. C'est moi qui l'ai stylé, donc du coup, je peux l'avoir. Alors, du coup, voilà, écran... Ouh, attends, t'es tout seul, toi. Allez, Cannon for free, kaboom! Et comme ça, on fait notre triple-double. Tu vois, au calme, 14 points, 10 rebonds, 10 passes d'ess et une steal. Voilà, bien joué. Alors, on aura le droit à l'assist of the game. Ah, tiens, c'était moi avec Dwight Howard. Ça, ça m'intéressait, justement. Donc, j'étais quasiment sûr. J'étais quasiment sûr de faire partie de. Enfin, de faire partie plutôt d'avoir fait cette passe d'ess parce que voilà, c'était plutôt pas mal. Isaiah Thomas qui fait des crosses. Non, 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 c'est bon. Je l'ai assez gêné. Bonne défense. Parfait. Allez, moi, il faut par contre que je score un petit peu plus. Ça serait plutôt pas mal parce que 14 points, ça fait quand même léger. Même si c'est bon quand même. Et boum! Il suffisait que je le dise. Encore et encore et encore. Voilà. Ouh, et en plus, on a un petit ralenti avec ça. Voilà, parfait. Sur Alex Len, là. Non, non. Surtout, prends pas ton shoot. Non, là, là. Ouais. Même si je demande la balle, là, sur cette action, c'est vraiment parce que je suis parti dans l'optique. Ah, attends, attends. Rundle. Allez, allez, s'il te plaît. Yes! Voilà, 3 points. Voilà, ça fait plaisir. Plus 6. Bien joué, Rundle. Voilà, on est très, très bien parti, là. Ah, il tire à 3. Yes. Yes, voilà, bah ouais. Ça, c'est prendre trop la confiance. Regarde, je te montre comment on tire à 3. Oula! Wouh! Eh ouais, tu veux un tuto? Strax.com. Ah. Mince, ouais. Bon, il se retrouve tout seul et il arrive à scorer, d'accord. Patience en attaque, voilà, la note du coach, enfin la satisfaction plutôt, elle est de B+, voilà, c'est bien. C'est toujours bon à prendre ça, donc que retenez-vous de cette victoire in extremis? Bah, c'est pas une victoire in extremis parce que
Victoire in extremis, c'est genre on aurait... Alors, attendez. Voilà, on va dire ça. Mais c'est pas vraiment une victoire in extremis, parce que on avait quand même un certain écart. C'est, ils ont quand même su, justement, alléger cet écart. Mais il y avait quand même un écart, donc du coup, voilà, c'est pas in extremis. C'est plutôt in extremis, ça serait plutôt, voilà, on serait, je sais pas, à égalité. On aurait mis quasiment un buzzer, un truc comme ça, mais là, c'était pas le cas. Donc voilà, c'est eux qui ont commencé à un petit peu revenir et tout. Mais on était là, on envoyait du répondant, tout simplement. Donc du coup, voilà, on a... Ah ouais, pas mal, 1541 VC. Ok, donc voilà, ça prouve qu'on était en Hall of Fame le x2. Comme d'habitude, je laisse donc un petit 11 sur 14. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et bah, on va mettre le joueur du match. Voilà, je le mettrai en musique et tout. Donc on laissera ça. Donc du coup, voilà, je regarde un petit peu la feuille de match. Et ce qui m'intéresse, c'est... ouais, les tirs aussi à 3 points et tout. Parce que j'ai sorti quand même pas mal de passes, plutôt pas mal. Ok, d'accord. Bon, pour les meilleurs moments, on va plutôt mettre l'autre. Ouais, on va carrément mettre l'autre, ça va être mieux. Et donc, bah sur ce, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et salut les gens.